la mosala na yo na bobangi sante sala kishasa engenge na mwinda mwa Kristo. Bilenge botika bitumba boto bengi kuluna bashege bobongola mitema e bukoma bana ba mwinda. Kobife zalaka na telefone ekoma lelo ya molato bilenge toluka bukonde totika ndombolo ya sonye corruption zero mpona baprofeseur na baetudiant totika bacode sexuellement transmissible CST bazuzi bosembo esalama na mosolo mpe minganga tokanisa lisusu sermon hipokrate. Kishasa ezonga peto kobwaka salite na balabala te bino babeti ndembo bayembi ya miziki bato ya misala maboko bongisa mpe ngengisa Kishasa.
De la parole et la lettre de la première lettre du dernier apôtre au deuxième chapitre du quatrième commun de la Église avec une attention religieuse suivante. Il est la pierre vivante que les autres ont éliminée, mais que Dieu a choisi parce qu'il en connaît la valeur. Vous aussi, soyez des pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel et vous serez des sacerdotes saints, présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus. On lit en effet dans l'Écriture, voici que je pose en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie et de grande valeur. Celui qui lui donne sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi donc, honneur à vous qui avez la foi, mais pour ceux qui refusent de croire, l'Écriture dit, la pierre éliminée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre sur laquelle on bute un rocher qui fait tourner. Ces gens-là butent en refusant d'obéir à la parole, la choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous êtes donc chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur.
du 6e au 14e verset. Jésus lui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès à présent, vous me connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, voilà si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Il m'a vu, a vu le Père. Comment veux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Mais le Père demeurant en moi fait ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres même. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même les plus grandes, parce que je vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Collège épiscopal
de ceux qui consacrent leur vie à servir. Servir le peuple de Dieu par la parole de l'Évangile, les moyens de salut que sont les sacrements et le témoignage de Dieu. Chers frères et sœurs, honorables invités, aujourd'hui résonnent encore à nos oreilles les paroles de l'homélie du pape Saint Jean-Paul II ce jour-là. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, disait le pape, je vous appelle amis. Vous avez été choisis pour être le troupeau dont l'Esprit Saint vous a institué gardien, évêque, pour le présider au nom et en place de Dieu et marcher à sa tête. Vous êtes d'abord responsable de la prédication de l'Évangile, dont le livre va être imposé sur votre tête durant la prière consécratoire, puis remis entre vos mains. Comme la liturgie va vous le dire, continue le pape, à temps et à contre-temps, prêchez vous-même la parole de Dieu avec une grande patience et le souci d'instruire. Vous êtes au premier chef les témoins de la vérité divine et catholique. Vous recevez la charge de sanctifier le peuple de Dieu. En ce sens que vous êtes père et vous transmettez la vie du Christ par les sacrements. Vous recevez le gouvernement pastoral d'un diocèse qui le peuple, où vous y participez comme évêque auxiliaire. Le Christ vous donne autorité pour exhorter, pour rebâtir les ministères et les services au gré des besoins et des capacités, pour veiller à leur accomplissement, reprendre vos besoins avec miséricorde ceux qui s'en écartent, veiller sur tout le troupeau et le défendre, comme disait Saint Paul aux chrétiens de Milet. Susciter un esprit toujours une missionnaire. Chercher en vous la communion et l'édification du corps du Christ. Vous portez à bon droit sur la tête l'emblème du chef. Et en main la force du pasteur. Souvenez-vous que votre autorité, selon le Christ, est celle du bon pasteur qui connaît ses brebis et est très attentif à chacune. Celle du Père qui s'impose pour d'amour et de dévouement. Celle de l'intendant prête à se rendre compte à son maître, celle du ministre qui est au milieu des siens comme celui qui sert et est prêt à donner sa vie. Chers frères et sœurs, distingués invités, l'Église a toujours recommandé au chef de la communauté chrétienne le souci particulier des pauvres.
Thank you.
Les bienheureux, les visiteurs et les invités bandits, sur
vécu dans ton amitié, nous ayons garde à la vie éternelle, et que nous chantons ta gloire par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Thank you.
car la bénédiction des pères a servi la maison de ses enfants. L'honneur de l'homme dépend de la réputation de son père. Il a dit le chapitre 3e, verset 2, chez le 8e au 9e et au verset 11e. À l'heure de la santé, il est revenu à ça, à l'occasion du 20e anniversaire de ses pouvoirs, de son éminence, M. Laurent Cardin, Joseph Bassigna, archevêque métropolitain de Kinshasa, le 4 mai 2015. Éminence, M. Laurent Cardin, Joseph Bassigna, archevêque métropolitain de Kinshasa, qui est notre chef. Excellence, Monseigneur, Edouard Kisonga, Timothée Koutika, mon ancien Babylone, évêque Seigneur, Monsieur les amis de la paix, les grands soeurs de la paix, mesdames et messieurs, dans le respect de vos rangs et titres, frères et sœurs dans le Seigneur, nous prenons la parole à ce jour du 20e anniversaire de ce combat de notre Père, le cardinal de Roi Moussé Bobatigna, pour lui souhaiter un joyeux anniversaire de ce combat. Éminence, excellence, mesdames et messieurs, sœurs et frères dans le Seigneur, par l'ordination épiscopale, l'évêque reçoit la plénitude de la paternité sacramentelle grâce à la configuration au Christ. Cette unité est particulièrement signifiée à travers la manière spécifique d'exercer la triple fonction de maître de la foi, de pontife et de pasteur. Catéchisme des Églises et catholiques, numéro 1558. Il est le père de l'Église particulière qui est confié à la solidité de la morale, tout spécialement les ordres libéraux, Christus Dominus, numéro 8. C'est dans ce sens que l'Église se sent concernée par cet heureux événement, car l'homme, comme le dit le texte de Strasbourg, l'honneur des hommes dépend de la réputation de son père. À travers ce que je vais adresser à l'éminence de Chapelle, nous voulons vous dire sincèrement que nous sommes et serons toujours honorés par l'exercice de votre épiscopat, marqué d'abord et béni nos efforts de combat pour la promotion des valeurs, marqué des sacrifices d'engagement sociopolitique pour le bien-être de la société congolaise et africaine, marqué par votre participation active pour les témoignages de l'Église universelle dans le monde actuel, confère votre mission en tant que membre de cette œuvre, comme l'esprit de bien-être de même fonction. Notre souhait de joyeux anniversaire est aussi notre manière particulière d'attirer votre fidélité aux engagements sacerdotaux et épiscopaux. Nous demandons au Seigneur de nous garder toujours fidèles à lui. Lui qui a promis d'honorer les vainqueurs, qui aura gardé ses commandements jusqu'au bout. Confère à Apocalypse 3e, verset à lui. Pour vous exprimer notre affection filiale, nous vous prions de recevoir humblement cette livre, signe de pouvoir que le Seigneur réserve à ses ennemis. Puisse la Vierge Marie, humble servante du Seigneur, prier pour votre vie consacrée et pour votre ministère dans ce total et global. Nous vous remercions.
Thank you.
Yeah.